Parce qu'habituellement, là, la nature, on va checker le coût carotidien ou le coût de la viande. La viande étant de la muscle qui est là. Fait que c'est ça, le bébé, on fait le four radial. Ah, le four radial, brachial. OK. Les bleus, tant si longtemps qu'ils tous en assisté. Vous avez probablement entendu cette semaine la garde de vie. C'est un cas très rare parce que les madames ne savent quoi faire. Ils ont tout fait la bonne méthode. Oui. C'est parce que c'est un cas rare. Il arrive un sur un million. L'idéal, c'est de s'assir, mais là, on va rester debout pour vous monter. Fait que je prends le bébé de même, sécuritairement. Et là, je supporterais, je mettrais mon bras sur ma cuisse. Je suis assis. Ça donne un meilleur support. Fait que si je le donne de même, ça pourrait créer des problèmes de moins d'épinière ou de fou. Je vais lui donner 5 tables dans le dos. Avec le plan long de ma main, entre les deux omoplates. Okay. On les met de côté. Si on les met la main, parce que là, la maman et ses mères descendront la main de côté. La tête plus basse que le reste du tronc à 45 degrés, c'est plus facile pour l'objet de sortir. Okay. Je donne 5 ans dans le dos. Les jeunes mamans, quand ils viennent prendre un coup, ils sont là, font ça. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas casser le dos du bébé, mais il faut quand même donner des bonnes tapes. 1, 2, 3. Habituellement, la troisième tape, le morceau va sortir. Si ça n'a pas sorti, 4, 5, les 5 tapes n'ont pas fonctionné. Je vais venir bébé sur le bord. Là, on m'a donné 5 compressions thoraciques, comme si je prenais la RCR. Je mets 2 doigts sous la ligne des mamelons. Je donne 5 compressions thoraciques. La tête encore là, plus basse, mon bras sur ma cuisse. 1, 2, 3, 4, 5. Ça n'a pas marché. Je continue avec les 5 têtes dans le dos, les 5 compressions thoraciques, jusqu'à temps que l'objet sorte ou que le bébé tombe inconscient. OK. Ok, moi. Ça va